Bonsoir. Ou devrais-je dire oyez, oyez, car oui, oyez, ce n'est pas uniquement une manière d'appeler la place publique au Moyen-Âge ou une chanson d'Antoine, c'est aussi la marque de cette guitare, une marque allemande qui date des années 60, qui s'est lancée donc en même temps que les Hofner et autres Echo, au moment où ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui voulaient des guitares électriques à pas cher. Et celle-ci date des années 70, c'est leur modèle 50-60. Alors dit comme ça, on dirait un peu qu'ils se sont dit, c'est de quelle année la Les Paul? Oh, c'est 50-60, ouais ok, bah c'est ça. Et donc ils ont copié la Les Paul, à en juger par la finesse du manche, ils avaient plutôt un modèle 60 en tête, et donc c'est une Black Beauty allemande. Autant vous dire qu'on est dans la bizarrerie et la rareté, avec leur propre pièce pour le chevalet, ça se voit un peu, hein, c'est une interprétation particulière. Un scié à rouleau, donc a priori plutôt une bonne idée. Et puis quelques bizarreries comme la prise jack qui est renfoncée à l'intérieur, ou encore ce sélecteur de micro qu'on croirait sorti direct d'un jouet électronique des années 90. Et le truc, c'est que ça ne sonne pas comme un jouet, donc on va pas bouder notre plaisir et on va s'éclater avec cette belle allemande. Thank you.